Je voulais faire mon intro, mais genre il y a beaucoup de gens, il y a une meuf qui vient de monter limite à moitié en stream. Je suis obligée, t'es magnifique. Sois naturel, sois comme tu es. Il y a beaucoup de gens, il y a une meuf qui vient de monter limite à moitié en stream, donc je t'avoue que j'étais un peu gênée. Genre, elle est là-bas en train de s'asseoir si j'aime. Madame ? Ouais, c'est madame. Oh, bah, je t'avoue. Swing, bébé, tu me fais lever pour rien. Presque. Sincèrement, moi. Presque. Ah oui. Mais du coup, j'allais faire mon intro et ça m'a un peu stoppé en mode. Ah ! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est samedi 21 août et je me suis dit que j'allais un petit peu vous emmener ce week-end avec nous. C'est vraiment très gênant parce que là, je suis en train de vous parler, mais genre, littéralement, il y a. Allez, 25 personnes à la piscine qui nous voient très très bien. Du coup, c'est un petit peu gênant. Genre, si tu vois pas très bien, t'as l'impression que je les filme. Non, c'est bizarre. C'est un peu gênant, je suis un peu gênée. Genre, je suis chez moi, mais je suis pas chez moi. Enfin, ils nous voient, quoi. C'est un peu gênant. Bref. En gros, au programme aujourd'hui, il y a un festival western, cowboy, on sait pas trop quoi. C'est le shérif, ça s'appelle comment ? T'as dit festival. T'as dit un festival western. C'est pas grave. C'est pas grave. Bref, il y a un festival western. Et bon, on se dit qu'on allait forcément y aller et qu'on allait vous emmener parce que ça peut peut-être être sympa. On y va ? On va au festival ? Ouais. On va promener ? On va au festival western. Moi je dis, j'ai une idée, on met Nox dessus. Mmh. On met Nox sur le taureau. Je crois que c'est un corgi golden en vrai. Moi je trouve ça mignon. Non, c'est pas mignon. On va prendre un corgi tout court, pas un corgi golden. Si. T'as pris quoi? Un demi? Un demi, ouais. Un demi? L'odeur. Du feu de bois et du charbon. C'est beau, c'est vraiment beau. Mmh. 53. C'est toi. Oh. Tu veux te poser un petit peu? On va demander ce qu'on a grâce à ton chien. Un chiperque. C'est un quoi? Chiperque. Un chiperque. Ouais. Wow. On est quand même sur un truc. C'est. Attends, mais je vais juste le tirer. Ça fait plaise. Tu as l'idée? Je suis obligée. T'es magnifique. Les rides sont incroyables. Ça se voit sur ta bouche et sur tes doigts. Tes doigts sont. C'est le meilleur rythme que je mange. C'est quelque chose pour toi parce qu'on est des bons parents. Doucement. Aïe, c'est mon doigt. Aïe. Ah, c'est bien pour les dents. Ça. Après, je vais pas lui laisser là. En toute honnêteté, j'ai pas confiance en mon chien. Mais là, je sais que c'est un petit plaisir pour lui. C'était mon doigt. Et là, juste, il est trop drôle là. En vrai, là, il est trop drôle. C'est
Mais oh, fou là. Il y a, ouais. Il a léché, il a léché. Alors, verdict, c'est bon? Oh. C'est très bon, mais c'est du maïs. Mais c'est du bah oui. Bah, c'est... Mais la cuisson est moins maîtrisée. Watch. Et c'est cramé ça. On vient de rentrer de, du festival western, festival shérif, je sais pas trop comment ça s'appelle. Honnêtement, c'est bien, mais par contre, il y avait pas grand chose. Genre vraiment, il y avait, je crois, il y avait quoi? Il y avait 6 food trucks, genre littéralement. Il y en avait pas plus de 6, ouais. Ouais, ce qui en soi est un peu dommage parce que pour autant il y a plein de petits festivals comme ça depuis tout l'été. Généralement c'est vachement genre Made in Asia, festival food japonais, on voit toujours les mêmes stands. Et c'est vrai que pour une fois là au festival, bah, il y avait quand même des trucs qui changent, on était vraiment dans la thématique western. C'était que des grillades, des trucs, des ribs et tout ça. Donc c'est cool mais genre il n'y en avait pas tant que ça. Country. Par contre le truc qui manquait en vrai c'est que littéralement il y avait un stand avec des fringues. Des fringues qui étaient vraiment stylées, c'était du fait maison, franchement, trop bien. Mais genre, il n'y en avait que un. Il n'y avait pas d'endroit où tu pouvais acheter des chapeaux. Enfin, au début du festival, en soi, ils te vendaient des chapeaux que tu pouvais acheter, mais tu voyais que c'était genre... C'était pas de la qualité, t'avais un immense logo S. Non, non. Et du coup, en soi, c'est un peu dommage qu'il n'y avait pas d'autres stands pour acheter, je sais pas moi, des sandiaques, des chemises western. Des sandiaques? Bah ouais, c'est trop bien les sandiaques, tu vois. Bah attends, mais les sandiaques, c'est... C'est des bottes de cow-boy. Et ouais, même un endroit où acheter des chapeaux, quoi, ça aurait été cool. Et ça, je trouve que ça manquait. Genre, le festival était très petit. Tu fais le tour en un quart d'heure. Voilà. Mais c'était bien. Mais on aimerait plus. Plus grand. C'est des cow-boy boots. Non, c'est des sandiaques. Une sandiaque ou bottes de cow-boy, ça aurait fait un style spécifique de bottes historiquement portées par les vaqueros. C'est des sandiaques. Les vaqueros. Mais la bouffe était, je trouve, de plus grande qualité que les food trucks qu'on avait déjà fait. Ouais, ouais. Enfin, c'est, tu en avais pour ton argent. Ouais. Le prix était pas spécialement non plus... exorbitant. Pas non plus offert, tu sais, ça. Oui, bah non, mais c'est... Les prix ont augmenté quand même, mais t'avais à bouffer. Ouais. Tandis que, franchement, tous les autres festivals qu'on avait fait de food trucks, c'était bien souvent cher, avec vraiment, vraiment une quantité qui était... J'avoue, il y avait rien. Ouais. Dans les autres festivals, je m'en souviens, en gros, t'avais pris une portion de je sais plus quoi, et littéralement, il y avait un petit truc comme ça, genre, il y avait rien, genre, t'as payé ça 15 balles, il y avait rien, c'était une micro-salade. Alors que là, effectivement, t'avais quand même des bonnes rations et c'était très bon. Mais on aurait aimé plus, manquait des stands. On voulait s'habiller en cow-boy. On voulait s'habiller en cow-boy. Mais mention spéciale pour ceux qui dansent. Bah moi, j'aurais bien fait du rodéo, tu vois, mais il y avait trop la queue. Ça aurait été drôle, en vrai, on aurait dû faire du rodéo. Un ou deux auraient dû faire du rodéo. On aurait dû mettre Nox dessus. Les sandiaques sont principalement fabriquées à base de cuir de vachette, mais elles peuvent également être fabriquées à base d'animaux exotiques, tels que de l'alligator, de l'autruche, de l'élan, du bison, du serpent. On va aller au cinéma, tout doucement. On va aller voir le dernier film avec James McAvoy. C'est quoi le nouveau titre? Speak No Evil. En français, c'est Ne Dis Rien. Bref, on va aller au cinéma. Et je pense que je vais vous reprendre demain matin, mais pas très longtemps. Parce que demain, j'ai ma journée formation zombie de 13h à 22h. Donc vous allez me voir en coup de vent. Le matin, je vlog jamais tant que ça, j'ai un petit peu ma routine. D'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais éventuellement vous tourner le week-end prochain, vu que c'est le dernier week-end avant que je commence officiellement mon job de zombie. D'ailleurs, en parlant de ça, là, il est 11h30, j'ai une demi-heure et après, il faut que je parte. Je vais à la ronde, du coup, pour la formation zombie, c'est de 13h à 22h, genre on a double formation aujourd'hui, ça va être une grosse journée.
trop trop bien, j'ai trop hâte, genre ça fait un an que j'attends ça. Puis l'année dernière, je me suis rendu compte en fait que genre je vous dis ça, je vous parle de formation zombie, d'être zombie à la ronde et tout ça, mais j'ai jamais vraiment expliqué le pourquoi du comment, quand, comment ça a commencé en fait. En gros, l'an dernier, en août, avant qu'on arrive ici, j'avais un peu checké ce qu'il y avait en termes de parcs d'attractions, de soirées de l'horreur et tout ça, parce qu'il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est justement animatrice horreur pour des soirées de l'horreur, quoi. En gros, nous, on est quasi frontalier avec Europa Park, et Europa Park, chaque année, en gros, ils ont les Horror Nights. Et j'avais postulé chez eux, mais j'avais jamais été acceptée. Genre, 2 années d'affilée, j'avais tenté d'être zombie chez eux, mais j'ai jamais été acceptée à Europa Park parce que je parle pas allemand. Et en gros, l'an dernier, quand on a commencé à faire un peu nos préparatifs et tout ça, je me suis dit, tiens, je vais regarder. J'ai vu qu'il y avait des soirées et j'ai juste écrit un mail classique. Et en mode, ouais, bonjour, est-ce que vous recrutez des animateurs pour vos soirées, tu sais, Halloween et tout ça? Et en gros, ils ont dit, bah, en soi, il faut juste être là à la sélection, comme c'est ta première fois. Et j'ai dit, ouais, mais moi, j'arrive que en... Enfin, j'arrive le 31 août, je peux pas passer, entre guillemets, le casting. Et ils m'ont dit, bah, pas de soucis, tu fais une self-tape. Self-tape. J'ai intérêt à bien le prononcer, sinon c'est bizarre. Self-tape, ok? Et en gros, on a tourné ça en France, encore. On l'a envoyé, et j'ai été acceptée. Pour être zombie. Donc l'an dernier déjà j'avais fait zombie à la ronde et cette année ils nous ont demandé bah, forcément aux anciens inscrits si vous voulez refaire cette année. Bien évidemment j'ai dit oui, bien évidemment. Et cette fois-ci en soi j'ai eu un processus un peu différent, c'est comme la dernière fois j'étais venue en last minute, comme j'étais loin et tout c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai atterri zombie. Là en soi comme j'étais déjà inscrite j'avais reçu en gros j'ai eu le choix de zone. J'en parlerai un petit peu plus en détail, genre je ferai vraiment une vidéo sur j'ai été zombie, promis, mais après la ronde, pas avant. Oh, il y a Joe qui rentre. Oh non, c'est moi. J'étais en train de vlogger, d'expliquer vite fait c'est quoi, pourquoi je suis zombie. Oh, oh. Je peux vlogger ce que j'ai comme légumes au Jean Talon pour 40$. Mais en gros, j'ai eu un choix de zone, mais bien évidemment, j'ai repris zombie. Et j'ai demandé si je pouvais avoir le même masque que l'an dernier. Normalement, j'ai le même masque. Pour faire bref, vu qu'il y a Joe qui vient d'arriver, tous les week-ends d'octobre, donc samedi et dimanche, il y a un week-end de 3 jours aussi, c'est là où il y a Thanksgiving, donc c'est samedi, dimanche, lundi. Il y a les soirées de la frayeur. Et bah, en soi, il y a plein de zones animées, des animateurs, et il y a nous, les zombies, on est là, il y a des gens qui passent et tout, c'est trop bien. Genre, je kiffe tellement. Et je pense que vous allez m'entendre le dire encore beaucoup de fois, mais genre littéralement, c'est ma meilleure expérience depuis qu'on est ici. Oh, oui, oui, oui. Et bref, j'ai trop hâte que ça commence. Et ça commence aujourd'hui, vu que j'ai la formation. Voilà. Et toi, tu reviens de Jean Talon, c'est ça? 40$ de légumes? Tu vas voir l'expérience. C'est qu'il y a trop. Je viens. 30$ de légumes et 10$ de schmierbouche. De schmierbouche? De schmierbouche. De schmierbouche? Schmierbouche. Attends. Là, t'es à 30$? Là, je suis à 30$. Non, mais c'est abusé. Genre, ça, à Adonis ou IGA, t'en as littéralement pour 90$. Parce que j'ai pris pour 9,29$ de schmierbouche. Voilà. 40$, t'as pour bouffer pendant combien de temps là? Quand je vois que tu reviens du IGA des fois pour 90$ avec ça, des trucs un peu, tu sais, un peu indus que tu peux pas trouver, un peu chimiques, tu vois, qui font plaisir des fois. 90$, t'as bouffé pour 3 jours tout au plus. Non, mais clairement. Là, on a de quoi tenir quoi? Une semaine et demie? Ouais, 2 semaines quasiment, là. Il y a beaucoup. Hein. Tu vois? Moi, les pommes, c'est tous les jours, donc. Mais ouais. Week-end prochain, re-Jean Talon, tu sais, si t'en aurais pour quoi? 40$ toutes les semaines? Trop bien. Vraiment, faut prendre le réflexe d'y aller parce que c'est. Parce que c'est. C'est des meufs. Le schmerwurst. Wurst. Schmer. Hey, il y avait un sac derrière. C'est qui le sac? Je t'emmerde? Non, Farine! T'as dit y'avait un sac derrière! T'as dit y'avait un sac derrière! Non, mon sac! Qu'est-ce que tu fais? Mais on va te raccompagner. Vous me raccompagnez? Ça veut dire que je vais à l'école? Bon, toi, c'est une formation. Est-ce que j'ai tout, moi? Passe une bonne journée, Caroline! Et sois naturelle, sois comme tu es. Tu es un petit soleil, alors. Alors brille, Caroline! Brille, Caroline! Bisous! Allez, brille!